Bonjour tout le monde, c'est Matt Pop pour la journée 19 sur Pikmin 3. On se retrouve tout de suite sur la rivière du destin et j'ai pas envie de faire n'importe quoi. Donc bim 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 bam bam bam, voilà, c'est parti. Et on va se concentrer dans cet épisode, comme je vous avais bien dit. De toute façon, c'était un épisode consacré sur les Pikmin ailés. Parce que les Pikmin ailés, je les aime bien. Voilà, j'ai décidé que je leur faisais un petit moment de solitude ensemble. Peut-être pas de solitude, hein, parce que... Ils sont gentils. Moi, les Pikmin ailés, je les aime bien. J'ai envie d'avoir des Pikmin ailés comme petit animal de compagnie chez moi. Parce que moi j'aimerais bien. J'aimerais bien avoir un petit Pikmin ailé à côté de chez moi. J'aimerais bien. Moi je trouve que ça serait très sympa. Bon, ok, je vais arrêter de dire n'importe quoi. On va me concentrer un petit peu sur qu'est-ce qui se passe. Ok, donc là on va juste récolter quelques Pikmin de plus. On va faire sortir tous les Pikmin ailés. On va en plus prendre le nectar. Attends, je vais juste envoyer. Je vais y aller avec Alf en mode solo Rambo. Voilà, on va prendre Alf. On va juste déterrer les Pikmin. Et voilà, en mode solo Rambo. C'est parti les amis, allons-y, let's go. C'est les nuits de folie là. Ok, j'étais pris, j'étais bloqué. Je ne pouvais pas traverser, j'étais perdu. Je ne pouvais plus rien faire, je ne savais plus ce qui se passait dans ma vie. J'avais envie de pleurer, j'ai pas pleuré. Je me suis rendu jusqu'à l'endroit qu'il fallait que je me rende. Et là, quand je suis rendu, j'ai pleuré. Ouais, là j'avoue, oui, là j'avoue, j'aurais pleuré. Non, c'est pas vrai, j'ai menti. Je mens depuis le début. Je suis un méchant petit garçon qui ment depuis le début. Il faut arrêter de mentir dans la vie parce qu'il faut respecter les gens. Alors, on va arrêter. On va faire des trucs assez sympas parce que moi, j'aime bien les trucs sympas. Alors, voilà, c'est la fin de l'épisode. C'est pas la fin de l'épisode, hein, j'ai complètement menti aussi. Mais y a plus de nectar. Y a plus le truc au nectar. Mais où est le truc à nectar? Mais où est le truc à nectar? Mais où est le truc à nectar? Ok, je vais arrêter. Ah non, cassez-vous. C'est le petit train du bonheur. Bon, allez. Boostage de Pikmin. Et à l'attaque. C'était aussi simple que ça. Allez, on continue. Bon, ok, non, avant de continuer, on va juste prendre ce truc. Non, faut 5. Allez les Pikmin, à l'abordage! Et voilà, on a pris les petits fragments qui restaient. Je vais prendre les derniers Pikmin ici, voilà, qui sont boostés, qui sont... Merga, OP de la mort qui tue! Son point faible est sa queue. C'est là où que se trouvent ses branchies. Ok. Je sais pas de quoi il parle. Mais bon, ça semble intéressant comme truc. Mais là, je pense que c'est avec les Pikmin ici. Je pense que c'est les Pikmin ailés qui sont capables de faire un truc avec ce truc. Voilà ce que je pensais. Ce que je pensais. Mais de penser les trucs. Attention. Ah non. Non. Referme la trappe. Non. Referme. 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 Non. Non. Referme. Non. Non. Cassez-vous. 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 Ah. Mais je vais voir c'est quoi qu'il y a de l'autre côté, hein. Publicité mensongère, oui. Ah ah! Elles sont ici, les autres plaquettes. Hé hé! Publicité mensongère, oui. J'aime pas les publicités. Ah, mais là, il va bloquer. Ah, non, mais bon, toi, tu peux pas. Tu peux pas y aller. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas aller vers un endroit meilleur de ta vie. Tu ne peux pas parce que tu ne peux pas. Voilà, c'est la fin du monde. On prend les Pikmin de Rush. Oh, j'ai une armée de Wash Wish. Armée de Wash Wish. Armée de Wash Wish. Non, c'est traversé par là-bas qu'il faut que je m'en. Voilà, ils sont après ici. Là, ce que je remarque, c'est que j'ai beaucoup, mais beaucoup, mais beaucoup, mais beaucoup, mais beaucoup, mais beaucoup de Pikmin qui ne peuvent pas être maxi OP. Je sais pas si je les mets maxi OP, s'ils deviennent tous fleuris. Attendez, je vais tester. Oui, ils deviennent maxi OP. Ouais, nice. Nice, salut! Mais bon, j'ai dépensé un petit peu un boost pour rien en même temps, mais bon. Je vais en profiter du même fait pour prendre le nectar ici. Il défonce le nectar, eux, en 2 secondes. Ils font comme wesh le nectar et moi je fais des dégâts là. En plus, ils vont hyper rapidement, ça c'est cool. Bon, attendez, je vais les lancer de l'autre côté. Allez, 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 allez. On se lance de l'autre côté. C'est un peu long de lancer de l'autre côté. Bon, voilà. Non, toi, je m'en fous. Voilà. Donc là, avec vous, vous allez
de 1 défoncer ce truc. Voilà, un truc de fait. Maintenant, je prends mes Pikmin ailés pour pouvoir finir le pont, une bonne fois pour toutes. Voilà. Donc, je vais juste prendre les Pikmin ailés pour transporter la petite araignée. Et là, vous, vous allez faire le combat de votre vie! Bam badam, badam badam, bam 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 bam. Mais là, il faut que je les rappelle parce qu'ils sont cons un peu. Bim, 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 bim. Donc voilà, je pense que j'ai tout éliminé. Ayant tout éliminé, je vais prendre des Pikmin ailés pour pouvoir les transporter. De toute façon, j'ai besoin de beaucoup de Pikmin ailés. Je sais pas pourquoi j'en ai besoin d'autant, mais bon. Moi, j'aime bien les Pikmin ailés. Alors, j'ai envie d'avoir plein de Pikmin ailés qui vont transporter plein de trucs ailés. Ça n'a aucun sens ce que je dis, mais bon, c'est pas grave. Vous comprenez le principe de la vidéo. La vidéo sert à commentary. Un commentary. Wow, Mad Bob. You speak very, very well in English, you know. Ok. Donc là, je suis de retour à mon point de départ. Point de départ, très départ. Il y a des Pikmin ailés qui me servent strictement à rien. On va aller les chercher. Parce que j'ai pas envie de vous laisser tout seul à l'abandon là-bas. En même temps, vous faites un peu pitié. Moi, j'ai peut-être envie de pleurer, mais je ne pleurerai pas. Non, 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 mesdames et messieurs. Non, 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 non. Pas aujourd'hui, pas aujourd'hui. Là, le pont, je pense qu'il est fini. Ouais, le pont, il est fini. Le pont est fini. C'est génial. On va aller voir de l'autre côté. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté du pont? Ça m'intrigue. L'intrigation du petit pont. Petit pont va loin. Petit pont, petit pont, petit pont va loin. Ouais. Je pense que je vais aller chercher plus de Pikmin. Allons chercher les Pikmin. Pikmin par-ci, Pikmin par-là. Je vais aller en mission. Je vais aller en mission. J'aime bien les missions. J'aime bien l'émission. Vous comprenez la blague, hein? J'aime bien l'émission. L'hémisphère. L'émission, l'hémisphère. Vous connaissez l'émission, l'hémisphère? Moi, je connais pas. J'invente des trucs que je ne connais même pas. On va rappeler les Pikmin. On va les faire rentrer dans le gyroscope Pikmin. Ah, Bob, t'es bourré, tu dis de la merde. Oui, je sais, comme d'habitude. Hein. Ouais, là, je vais juste faire un truc. Je vais prendre... Oui, monsieur. Monsieur le commandant de bord, tu vas m'aider à déterrer tous les Pikmin qui sont enterrés. Parce que je pense que je vais faire, même si j'ai une moitié de journée, je pense que je vais aller voir le signal. Je vais pas perdre ce moment pour aller voir le fameux signal. Voilà, j'ai tout sorti, on va tout faire rentrer. Et là, je vais faire sortir des Pikmin rouges. Vu qu'ils font le plus de dégâts. Peut-être même en sortir 35. Et là, je vais faire sortir des Pikmin jaunes. Et voilà, là je pense que je suis pas trop mal pour faire une belle équipe de choc. Allez, mes Pikmin rouges et mes Pikmin jaunes, c'est parti pour l'abodage. Pour l'abodage, oui, pour l'abodage. L'abodage de type abodage est un endroit de type bodage. Bon, j'ai la moitié de la journée pour faire peut-être un truc qui va peut-être se passer très intéressant. Attendez, je sens s'il manquait des Pikmin. J'ai eu peur. Je pensais que si, mais non. Donc c'est ça, comme qui je vous dis, on va aller faire un truc, on va aller voir le fameux signal. Même si j'ai un max de Pikmin qui sont pas boostés, ça n'est pas grave, je vais les booster avec une potion magique, de type magique, qui va pouvoir m'aider. On va aller rejoindre Alf, qui est à l'abandon, à l'autre bout du monde. On va juste que mes Pikmin rouges le suivent un peu. Ce qui m'énerve le plus dans ce jeu, vous savez très bien, je le dis assez souvent. Allons, c'est parti, on va aller voir ce fameux signal. Il faut quand même monter tout en haut de l'arbre. Et on monte l'arbre. L'arbre au chocolat. Phew, quand est-ce qu'on arrive au sommet? Ben bientôt, laisse-moi le temps d'y arriver. C'est Louis! Oh merde! Oh non! Dites-moi pas que c'est juste des épidores. Ah non, il faut juste partir avec. C'est peut-être une armée d'épidores. Ils vont faire un gros monstre. Ah non, c'est juste un gros truc épidore. Mm-hmm.
C'est parti, je booste mes trucs. Et j'en ai rien à battre. Les Pikmin et les... Ils protègent l'arène. Ok, donc en gros, faut juste que j'élimine tous les épidores en premier. Ou faut juste que j'attende le bon moment pour aller l'attaquer, je pense. Et voilà, quand il tombe, je peux dire à tous mes pépines d'aller attaquer. Allez l'attaquer. Parfait, j'ai fait beaucoup de dégâts quand même. Les pingouins sont en détresse, mais pourquoi je peux pas les rappeler? Pourquoi je peux pas les rappeler? Faut que je les sauve quoi, c'est ça? Je comprends pas pourquoi je peux pas les sauver. Ils sont tous morts! What? Les Pikmin! Ok, donc là je vais faire un truc. Brittany. Brittany, tu seras la sauveuse du monde. Tu vas aller chercher du renfort. T'as pas trop le choix. Va chercher du renfort, Brittany. J'ai confiance en toi. Brittany, fais tout pour sauver l'honneur de ce monde. S'il te plaît. Non mais je vais pas faire ça. Tassez-vous, 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 tassez-vous. Faut éviter toute cette attaque. Et après faut aller dessus. Faut qu'il fasse tomber. Non mais juste le cibler, mais cibler. Juste le cibler, go à l'attaque. Oh merde, j'ai perdu mon temps quoi. Oh merde. Ok, je viens de comprendre. Je viens de comprendre un peu comment le tout fonctionne. En gros, je peux pas les aider quand ils sont comme ça, je crois. Ou peut-être. Oui, voilà, je peux les faire tomber comme ça. Ok, j'ai compris. Ok, j'ai compris le principe de cette activité principale. Brittany n'est toujours pas rendue. Est-ce qu'on pourrait se dépêcher un peu? Ce serait peut-être gentil. Putain, avec 12 Pikmin ailés, je peux pas faire grand-chose. Ok, là, il va changer sa formation. Ouais, ok, tu vas venir m'attaquer là. Voilà, voilà, voilà. Mais je vais juste le cibler. Oh merci. Là, Brittany, je vais faire ça vite fait. Hop. Tu sors max de Pikmin ailé. Là, je vais prendre la carte très rapidement. Pour revenir ici. Allez ici. Allez, viens avec les Pikmin. Voilà, voilà, voilà. Attaquez, attaquez, attaquez. Voilà, donc là il y a un Pikmin que je dois sauver. Sauvez-le. Sauvez-le soldat Ryan. Oh là, il faut que je me dépêche en plus. Oula, est-ce que je vais avoir le temps de battre le boss? C'est la course contre la montre. Moi je pense que oui. Je pense que Brittany, si elle se dépêche un peu, je pourrais peut-être battre le boss. Au moins récolter après les trucs dans la prochaine journée. J'espère juste au moins le battre. Hein. Parce que si je le bats pas, je suis un petit peu dans la merde. Allez, allez. Il va tourner, il va faire son attaque. En rangée, hop, 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 là faut que je fonce dessus. Oui, à l'attaque c'est maintenant ou jamais, hein. Et le reste de mes Pikmin. À l'attaque, à l'attaque, à l'attaque, à l'attaque. Tuez-le au moins. Tu peux pas être assez vite, je crois. Ah merde. Allez, Brittany, arrive un petit peu plus vite, s'il te plaît. Tu serais vraiment très gentil. Ce serait cool si t'arrives très bientôt. Genre vraiment très bientôt. J'attends les ordres, oui, mais attends les ordres de n'importe où, sauf. Tiens, viens. Tiens, Alf. Viens t'amuser avec nous. Ah, Brittany, elle arrive. Brittany va arriver exactement au bon moment. Je pense. On va la voir arriver de toute façon. Je vais juste le viser. Je vais appeler Brittany en plus. Allez, attaquez-le! C'est maintenant ou jamais. Ah merde, pas encore quoi. Allez, faut revenir. La dernière assaut sera la bonne. Elle sera vraiment la limite, mais elle sera la bonne. J'ai confiance en mon pouvoir de l'amitié. Oh, le 10 secondes de la mort. Non, 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 s'il te plaît. S'il te plaît, 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 attaque, vas-y.
What the fuck? Vas-y, attaque-le. Merde, tous mes Pikmin! Mais non, mais je vais perdre tous mes Pikmin! Non! J'ai perdu 47 Pikmin! 37 Pikmin, non! Oh, mais nique ça! M'énerve ça! J'avais le temps et il restait pas beaucoup de vie! Ça fait chier quoi! En plus, j'ai rien récolté! Mais non, mais. Ça me fait chier, ce genre de truc. Hein. Vous allez voir, l'exploration de cette journée a été de la merde. 71 Pikmin perdus, quoi. Fait mal au cul. Ah non. Ah là là. J'étais si près du but en plus. Capitaine Humor, le seul à savoir où se trouve notre clé supraluminique, a été enlevé sous nos yeux par une nuée d'ennemis. Puis un colosse qui semble être le chef est apparu devant nous. On dirait une reine et ses petits ouvrières. Donc si on peut vaincre le colosse, les autres relancheront peut-être Monsieur Olimar. Eh oui, mais j'ai manqué. Oh, merde, ça m'énerve. Ça m'énerve. Bref, prochain épisode, je vais aller prendre ma revanche sur ce boss. Ce boss de merde. Donc laissez un pouce vert comme à l'habitude, un petit commentaire, c'est toujours sympa. Et on se revoit pour la prochaine vidéo. Salut tout le monde et à la prochaine. Sérieusement, ça m'a fait chier, vous pouvez pas savoir comment. Voilà. Fait du bien de rager un peu.